C'est pas du tout un geste banal, loin s'en faut. C'est vraiment un acte médical au sens au moins psychologique à part entière. Bonjour Christelle, vous êtes une ancienne patiente de réanimation qui a été hospitalisée il y a 3 ans et demi de cela. Et aujourd'hui, je vous remercie sincèrement de nous faire partager votre souvenir de votre première douche. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup Marie. Effectivement, je garde un souvenir, je vais dire quotidien, parce que voilà, au moment de chacune de mes douches, quasiment, vraiment une grande majorité, je revis, au moins émotionnellement parlant, et même dans un certain nombre de gestes, ma première douche que m'a prodiguée une merveilleuse aide-soignante lors de mon séjour en réanimation. Là, tous les moments de la douche, même les plus douloureux, parce que j'étais encore un corps complètement endolori, complètement raide suite à ce coma. Malgré tout, l'eau, le savon dans les yeux, tout n'avait plus aucune importance. L'essentiel, c'était vraiment ce geste, ces gestes et cette empathie qu'a mis l'aide-soignante dans ce soin. Elle ne s'est pas contentée de me laver, elle m'a crémée, elle m'a fait un brushing, elle m'a maquillée. Et tout ça en précisant bien que c'était aussi pour que mon mari, cet après-midi, quand il viendrait me voir, il me découvre comme j'étais, comme je suis réellement dans la vie, dans celle qui était celle avant cette période difficile. J'avais là quitté le contexte hôpital, mon corps de malade, ma chemise de nuit d'hôpital, etc., pour retrouver un peu plus mon corps de femme. Ça a été vraiment un merveilleux moment. Vous ne mesurez certainement pas, vous toutes, qui réalisez des gestes aussi anodins qu'une douche, a priori, puisse nous apporter, nous, patients, un tel moment de bien-être, de bonheur, une lumière, une étincelle, un feu d'artifice, je vais dire, de positif dans ce quotidien. C'est pas du tout un geste banal, loin s'en faut. C'est vraiment un acte médical au sens au moins psychologique à part entière. Il n'est ni banal au moment où nous sommes hospitalisés, mais il n'est même pas banal pour la suite de notre réadaptation, de notre retour à la vie quotidienne, puisque même après 3 ans et demi, je le revis toujours et je le revis toujours avec des émotions positives et dans un quotidien qui peut être chamboulé par ce passage en réanimation pour le reste de notre vie, c'est loin d'être un événement. Merci beaucoup, Christelle, pour ce très beau témoignage. Je te remercie. Et est-ce que vous, mes collègues soignants, est-ce que vous vous rendez compte de l'impact que cela peut avoir, ce geste simplement banal, comme tu disais, mais tellement important? Voilà, qu'en pensez-vous?